maintenant devant Carbonneau. Passe devant lui pour Brunet. Dans l'aile pour Bellegarde. Bellegarde tente de se faire un chemin vers le filet. Veut couper vers la glace. On tire. Bel arrêt de Jehan. Et on... bousculade à la droite de Deg. Gondel qui ressort à la pointe. Tir qui est tenté de loin. C'est bloqué par Brunet qui remet à Cormier. Cormier dans l'aile pour Bellegarde. Bellegarde s'amène à 2 contre 1. Remet à Cormier. Ça devant le gardien. Son tir. Et voilà le feu! Tommy Cormier! Et les Tigres prennent les devants 1-0. Oh, quelle passe savante de la part de Bellegarde à Cormier qui s'est retrouvé seul devant Sheehan. L'a déjoué habilement d'un bon tir. En fait, il n'a pas fait de feinte. Il a vraiment été patient. Il y avait une ouverture du côté droit, côté bouclier. Et les Tigres prennent les devants 1-0. Il y a une chute à la ligne bleue. Ouais. C'est Pellerin qui est entré en contact avec le défenseur. Et c'était hors du champ de vision qu'on a sur la reprise. Je me demandais s'il n'y avait pas matière à pénalité, mais je pense que c'est le défenseur qui a chuté. Là. Et par la suite, Pellerin est entré en contact avec le défenseur. Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé à 2 contre 1, ce qui a été devancé par le mieux. Attention, là, ouais. C'est Brisson qui s'échappe. Seul devant Deg. Brisson, sa feinte, arrêt du gardien. Deg regarde derrière lui. La rondelle qui est poussée à la ligne bleue. Et le retour qui est repris par Brunet. Mise en échec par un défenseur là, qui n'a plus de bâton. Retire quelque part. Attention, et là, 2 contre 1. L'Armada, Brisson dans l'aile. Brisson sortir et voilà le but. L'Armada qui crée l'égalité, c'est 1-1. On s'est fait prendre après une bonne chance de marquer chez les Tigres en territoire offensif. Il y a eu revirement 2 contre 1 et le joueur de l'Armada, Alexis Brisson, choisit de conserver la rondelle. Il bat Gabriel Daigle d'un tir vif du côté de la mitaine, mais juste par-dessus la jambière. Il a été précis. Et l'Armada crée l'égalité 1-1. Et je vais t'avouer, Pascal, que c'est mérité parce que dans les dernières minutes, on avait le meilleur, là, à mon avis, sur les Tigres. Lorsque le premier trio, là, celui de Bellegarde... Encore une fois, là, qui vend un bel effort physique. Et Gorionov qui voulait remettre devant le filet. Rondelle bon de centre, Lavigne reprend. Lavigne du revers remet devant le filet. Gorionov, c'est le bel arrêt de Chien. Tir à bout portant de Deg. Paquette qui s'amène en vitesse. Il reprend la rondelle pour remettre devant, mais c'est intercepté par Kingsley. Qui dégage. Attention, la rondelle qui rejoint Gorionov. Tente de couper devant le filet. Son tir, et voilà le deux. Il goal! Gorionov! En vitesse, en puissance, 2-1 les Tigres. Ouais, il a complètement mystifié la défensive de l'Armada sur la séquence. Il a battu le défenseur de vitesse et par la suite a protégé la rondelle. Il est fort physiquement, Gorionov. Et il bat Nicolas Sheehan d'un bon tir vif dans le bas du filet. Les Tigres qui reprennent les devants, 2-1. Belle poussée de Gorionov. Ouais. Qui s'est défait de le mieux. Pour battre le gardien du côté de la mitaine. Par la rondelle devant Prichepov. Prichepov veut perdre son bâton. Voilà Brisson qui tente de revenir devant le but. On l'amène plutôt derrière. Remise dans l'enclave. Tire à bout portant. Belle arrêt de Gabriel Daigle. Et Roy reprend. Roy, cercle droit pour Pellerin. Tire sur réception. Arrêt du gardien. C'est un bon lancer. Là. Très précis. Mais Sheehan étire la jambière. Cormier. Passe à Brunet. Brunet pour Cormier. Tire sur réception et voilà le but. Oh! Tommy voilà. Cormier, 3-1 les Tigres. C'était de toute beauté, Pascal. Pas tout le monde est capable de faire ça. Ça, c'est un lancé. Dans la partie supérieure, sur réception, il a été alimenté de main de maître par Frédéric Brunet. Et c'est un 37e but dans le match, deuxième de la rencontre pour Tommy Cormier. Exécution parfaite. Ouais. Et cette combinaison-là, Brunet-Cormier en avantage numérique, fait des ravages depuis l'arrivée de Brunet avec les Tigres. Et le gardien se déplace. Il n'a pas le choix de respecter le lancer de Brunet, mais il n'y avait pas d'espace. Belzile du revers, remet devant lui pour Lavigne. Revient sur ses pas, plein centre de la patinoire. Lavigne, une belle fin en entrée de territoire. Lavigne dans l'aile pour Prichepov. Le tir de Prichepov. Belle arrêt de Sheehan. La rondelle qui apparaît dans l'enclave. C'est repris par Pellerin. Pellerin sur lancé. Et voilà le but! La rondelle qui débute, partie supérieure. Et c'est 4-1 les Tigres. Bon, les Tigres viennent d'ajouter à leur avance un but un peu chanceux sur la séquence. Mais on venait d'obtenir une très, très bonne chance de marquer par l'entremise de Nikita Prichepov. Et finalement, de l'autre côté, c'est Max Pellerin qui voit son tir dévié. Et Bruce Richardson n'est pas content. Est-ce que le filet a été déplacé? Là? Le filet a bougé. On va aller à la reprise. Est-ce que la rondelle est entrée parce que le filet
avait bougé? C'est la grande question, là. La reprise du déçu va nous donner un bon indice. Alors, on va revoir au gardien le lancer de Pellerin qui a dévié. Moi, je vois pas de problème non. dans cet angle-là. C'est vraiment de derrière ou de dessus là, qu'on voit... voilà, ici, ça va être le bon angle pour avoir une bonne réponse. Non, tout est non, bon. Non, oui, le but... La seule façon que le but a déplacé de quelques millimètres, c'est le gardien qui l'a tassé un peu, mais est-ce que ça permet à la rondelle de se retrouver devant le filet? Alors, on va encore mieux voir ici. Là. Non, non, tout est bon. Le gardien a été battu. C'est... Ouais. Pellerin dans l'aile pour Bellegarde. Bellegarde derrière pour Cormier. Cormier là, qui tente un tir, c'est Lévy. D'un contre la rampe, Sarrazin. Père, on va tenter sur Bellegarde, ça mène. C'est le gauche en tir. Voilà deux. Thomas Bellegarde. Et à l'annonce du quatrième but des Tigres, ils en marquent le cinquième. Un autre but à 4 contre 4. À 5 contre 5. Un tir vif de Thomas Bellegarde. Et là, le premier trio des Tigres s'amuse et s'en sera fait de Nicolas Sheehan. Charles-Édouard Gravel va s'amener dans la mêlée pour l'Armada. 5 à 1 des Tigres. Ben, si la deuxième portion de la première période a appartenu à l'Armada, qui en ont profité pour créer l'égalité, c'est domination complète des Tigres là, en deuxième période. J'ai envie de dire que l'étincelle, encore une fois, chez les Tigres, ça a été... ça avance. De sa ligne bleue, laisse la rondelle libre pour Pellerin. Pellerin remet derrière pour Brunet. Brunet applique les freins dans le territoire. Passe à Pellerin. Pellerin s'avance. Pellerin son tir et voilà le but. Maxime Pellerin. 6 à 1 des Tigres. Un laser dans la lucarne. On a entendu le son du poteau. Absolument. Et autre but marqué en avantage numérique pour les Tigres. Avec 5-36 à faire à la deuxième. C'est bleu marqué en avantage numérique. Golionov remonte, remet à Péorois. Ça mène à contre-courant devant le filet pour Prichepov. Bon déplacement de Gravel qui fait l'arrêt devant Prichepov. Brisson, son lancé, dévié devant le filet. Ça... Bondi à Choulé à la pointe. Qui remet à Sarrazin. Sarrazin s'avance. Cherche l'angle pour la tirer le but. 6 à 2. Lui inscrit en avantage numérique par l'Armada. Un tir vif. Tout un lancé. Oui, absolument. De la part de Sarrazin. Et l'Armada profite de sa supériorité numérique pour réduire l'écart à 4 buts. C'est maintenant 6-2. 18-24 à faire à la troisième période. Il reste beaucoup de temps. Cormier à la mise en jeu. Je ne sais pas, on va répliquer d'un solide coup de bâton. Là. Et là, Choulé qui s'est retourné. Les deux joueurs qui se sont échangés des coups de bâton. On a porté le sifflet à la bouche, mais ça a arrêté. Superbe arrêt de Gabriel Deck qui étire la jambe à droite. Et ça, c'est digne d'un jeu de la semaine. On tente le surnom chez l'Armada. Attention, Sarrazin qui coupe un jeu, remet près du filet Brisson. Son tir, belle arrêt de la mitaine de Gabriel Deck. Sur l'aile gauche avec Roy. Remet à Roy le tir et voilà le 2. C'est mérité. 7 à 2. Et dans l'avant-match, j'ai parlé des buts en désavantage numérique de l'Armada. Ils en ont 15 depuis le début de la saison, la meilleure équipe. Bien, en voilà un dixième pour les Tigres. C'est eux qui s'inscrivent au pointage en désavantage numérique. Une belle passe de Mathieu Saint-Onge pour Péo Roy qui tire sur réception bas Charles-Édouard Gravel. Un premier but pour les Tigres dans cette troisième période. Le but à Samoa, ça. Ouais.